Catherine Carrevel, bonjour. Merci de répondre aux questions de l'Argus TV. Vous êtes DG de la Banque Postale Assurance Santé. Cela fait 8 mois maintenant qu'un produit santé a été lancé par la Banque Postale. Quel est le premier bilan ? Alors, le premier bilan que nous pouvons faire, c'est qu'aujourd'hui, nous comptabilisons à cette date un peu plus de 30 000 clients. C'est un bilan tout à fait positif, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous distribuons à travers des bureaux physiques de la Banque Postale dans laquelle certains souscripteurs ont été formés, mais que nous distribuons aujourd'hui majoritairement à travers une plateforme téléphonique et le site internet de la Banque Postale. Alors, la simplicité de l'offre qui a été saluée, en tout cas notée au moment du lancement, profite davantage à quel circuit de distribution ? Alors, je ne pense pas que la question se pose dans ces termes, puisqu'en fait, la simplicité de l'offre, elle a été voulue parce que la Banque Postale a comme principe fondamental, par rapport à ses valeurs, d'offrir à ses clients des produits extrêmement simples et transparents. Donc, à partir du moment où c'est une règle fondamentale de la banque, il faut, pour tout opérateur qui souhaite distribuer ses produits par son intermédiaire, bâtir ses offres de la manière la plus simple et évidente. Alors évidemment, quand on est conseiller financier de la Banque Postale et qu'on a 200 produits à commercialiser, il est majeur qu'on puisse s'appuyer sur quelques éléments évidents de l'offre, et d'où la simplicité. Donc tous les canaux aujourd'hui, je crois, bénéficient de cette simplicité et ce sont surtout les clients avant tout qui en bénéficient évidemment. Alors un client qui voudrait souscrire directement et 100% sur Internet, peut-il le faire ? Oui. Il peut tout à fait le faire à partir du site internet de la Banque Postale, qu'il soit d'ailleurs client de la banque ou pas. Et la plupart du temps, c'est ce cas de figure qui se produit ? Non, en fait, la vente par internet est pour nous un moyen de distribution intéressant, mais qui est loin d'être majeur, puisqu'en fait, nos bureaux de poste sont le vecteur essentiel de la vente appuyé par notre plateforme téléphonique. Donc aujourd'hui, c'est assez modeste la vente par Internet, mais ça nous permet aussi de communiquer à nos clients sur l'existence de l'offre. Très bien, Catherine Carrevel, je vous remercie beaucoup. Merci.